Let's do King Julian style. Salutations les viewers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test et découverte en ce mercredi matin et celui-ci portera sur un petit jeu qui se nomme Gun Jam. Et je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de développement JoJoab Game de m'avoir gentiment offert une petite clé ainsi que Raw Fury. Donc merci à eux pour la clé. Ce petit jeu est à retrouver sur Steam au prix de 19,99€ et si vous avez un peu de chance, il est à moins 10% en ce moment. Et donc à 17,99€, il n'est qu'en anglais. Et il se joue en solo, la compatibilité manette est comprise partiellement. Donc moi je vais rester à clavier souris pour le coup. Et on va se lancer à l'aventure dès maintenant, mon petit jeu musical. Donc Gun Jam est un FPS d'action rythmique. Vous devez tirer, foncer et donner des coups de pied en rythme pour survivre. Il propose un mécanisme de tir à un rythme unique, une OST multigenre, une musique personnalisée et des échanges de tir avec des hordes d'ennemis dans un monde dynamique. D'ailleurs, la musique est plutôt cool quand on lance le jeu. Et j'espère qu'elle sera aussi en partie quand on ira tatane tous ces petits monstres en espérant qu'on arrive à garder le rythme. Parce que la dernière fois que j'ai testé un jeu où il fallait scaler et être dans le tempo, ça a été un peu compliqué. Donc ma foi, écoutez, c'est parti, lançons-nous et puis on verra ce qu'il en retourne. Alors je sais pas pourquoi les avis sont plutôt mitigés sur Steam. Donc on va essayer de se faire notre propre avis. J'ai pas voulu lire histoire de pas me laisser influencer entre guillemets. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, nous voici, nous voilà sur l'écran d'accueil. J'ai fait quelques petits paramétrages, j'ai baissé la musique parce que ça gueulait pas mal. J'ai fait petite résolution graphique et remis ça en plein écran. Rebindé mes touches pour que ce soit en AZERTY et non en QWERTY. Donc ma foi, c'est parti. Donc Nitro, machin, Gun Jam, ça va être les musiques, c'est ça. Custom Music, ouais, je vais tout laisser comme ceci. Et là, je suppose que ça va être pour l'arène. Alors je vais laisser celle de base, déjà une Gun Jam Arena. Hein. Et puis c'est parti. Play. On peut même importer de la musique. Ok. On va voir comment ça fonctionne. Donc niveau facile, l'arène, mode arena. Caractère tap. On peut pas choisir son perso, c'est quoi? C'est en mode hard. On aura Aero. En mode normal, on a Ballard, et en mode easy, on a machin. On va déjà voir en mode easy ce que ça donne, et après on verra pour passer en mode normal. Hein. Ok. Alors nous voici, nous voilà. Par contre, la sensitivity, pas très rapide. Ouais, donc en gros, faut que je tire dès qu'il y a un machin qui apparaît devant moi. Ok. Il faut que je tire tout le temps, quoi. Ok. Oh, ok, alors faut prendre le coup de main, faut que je trouve un truc sur lequel tirer quand même. Ok. Et en fait, dès que je me plante, a priori, c'est ça, je change d'arme, non? Ah, il y en a un qui est en train de me tirer dessus. Ah, c'est vrai qu'il faut que je pense à tirer. Ah, même si j'ai pas d'ennemis dans mon viseur. Ah, par contre, les gènes, si je me fais tatin dans le dos. Ah, merde, je suis mort. Ok, restart. Ok. Donc, on est ici. Ah, je verrai pour augmenter peut-être la sensitivity de ma souris. Et ça va être compliqué les jeunes. Ok, je pète la porte. Ok, je peux sauter avec ça. Ça, ces trucs, je sais pas ce que c'est. Ouais, je peux tirer en fait que quand j'ai un truc dans le viseur, quoi. Sinon, je peux pas tirer, ouais. Donc si je veux faire feu, faut vraiment que je tire quand j'ai des trucs dans mon viseur. Putain.
pas ce que je récupère par terre. Bon, c'est risqué ce que je fais. Là, je voulais ressauter sur le bumper là. Ok. Tout ça c'est mort. Ah ouais, ça c'est des trucs qui pètent. On va essayer de tomber dedans. Ah, merci bien. Voilà. Ah, j'ai loupé le gros. Ah, parfait. Ouais, je peux me servir des trucs pour leur faire péter dessus. Ah, merci bien. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Ça, je peux pas interagir avec. Ah ouais, je sais que j'ai F et E aussi comme coup. Là, je viens de foncer dedans. J'aurais peut-être dû éviter. Voilà, merci. Il y en a qui se calent à moi. Alors, je sais pas si à un moment donné, quand tu auras plus personne. Enfin, je sais pas si ça s'arrête à un moment donné ou si j'ai plusieurs vagues d'ennemis. Enfin, je peux tirer un peu quand il y a ça. On va vers Zagamza. Je sais pas si les trucs là-haut, faut les péter aussi. Ça, je vais éviter de tirer dessus. Et on va le garder pour quand tu auras du bien. Ah, merci. Sauter un peu haut là. Alors j'ai fait E, je sais pas ce que c'était, mais bon. Et je sais pas s'il faut que je tire jusqu'à la fin de la chanson ou. Ah, on va remonter par là. Bon, on est un peu largué dans l'arène là et je sais pas si j'ai des trucs à péter en particulier ou pas. Ouais, hop. Là j'ai loupé un truc. Merci les jeunes. On va faire péter ça dessus. Ok, on me tire dessus. Merde, je me suis loupé. Ah là, il y a l'air d'avoir un gros vilain, je sais pas si c'est le boss. Aïe. On va éviter ses boulasses. Ah, je récupère toutes les sphères. Ça, je le pète. Enfin, je suis noté sur quand je clique correctement dans ma jauge là. Il reste 31 secondes.
Peut-être que j'amasse un maximum de glace. Ah, on va faire ça comme ça. Et personne, alors je tire quand même. Peut-être derrière moi. Allez, good. Ok, 4, 3, 2, 1. C'est fini les jeunes. Donc stage terminé, rang C. 2577, new high score, ok, Gunjam Arena, easy, ok, bah écoutez, continuez. Hein. Ah ouais, ok, d'accord, je repars direct ici, quoi. Putain, s'il y a que 3 levels, on va repartir en normal pour voir. Et si ça s'enchaîne pas, c'est un peu dommage. En plus, on peut pas choisir son perso, donc au final, choisir son perso, ça sert strictement à rien. Putain, s'il y a que 3 stages, on n'a pas fini, quoi. Alors, je sais pas si en accès anticipé ce sera à vérifier, je crois pas. Et c'est pas le cas, je sais pas s'ils rajouteront d'autres trucs quand même derrière parce que ça va être un peu rapido ses limites. Alors là il y a des sphères, je sais pas à quoi ça correspond. Ouais, ok. Là je tombe. Je sais pas si ça sert franchement à ce que je... Enfin, est-ce que ce sera validé dans mon score final le fait de louper des trucs là ou de tirer. Je sais pas. Et là tout va se passer dans les airs. Donc faut se laisser la tête en l'air quoi. Sauf que là j'en ai laissé beaucoup. Enfin, j'ai l'impression d'être coincé. Ok. Ok, parfait. J'étais peut-être un peu près là. Ok. Je prends des petites boulasses. Ça c'est fait. Ouais, overdrive. Ah, ça me permet d'aller plus vite quoi. Je sais pas si le F c'était mon super saut là. Ok, je peux mettre des coups de pied avec F. Je crois que je l'ai guindé sur ma souris aussi. Ça, on va éviter de faire péter. Ok, c'est une sorte de dash aussi, F. On va choper les sphères. Je sais pas si c'est de la vie. Ah, il me reste un petit cœur. Il n'y a pas de dégâts de chute. Ah bah je me suis fait péter. Ok, restart. Allez, on met un gros coup de schlasse. Enfin, de schlasse, de coup de pied surtout. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, là il y a une vie. Ok. Non, je les ai tous attirés par ici. C'est un peu compliqué là. Ok, je suis un peu focus sur ce qui se passe autour de moi là. Bon, la musique est sympa, hein. Ouais, je voulais faire péter une boule là. Ok. Donc c'est eux qui me lâchent les boulasses.
Ouais, petit coup de pied. Non, je me suis loupé. Je sais pas si je fais des dégâts en plus avec mon overdrive là. Peut-être faire gaffe à leur boule. On va peut-être aller chercher une petite vie là. Ouais, là-bas. Ouais, vas-y, dash. Ouais, merci bien. Ah, dash. Putain, je voulais me faire sauter et aller. On va y aller comme ça. Alors, hein, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé d'y aller en arrière. Et là, il y a un petit cœur. Rien, on va faire ça comme ça. Hein. Hop, non, reviens. Voilà, merci. Ok. Je cause pas beaucoup parce qu'il faut que je garde le rythme. Alors. Bon, les sphères bleues, je sais toujours pas à quoi elles servent. Hein. Oh, je suis parti vite en arrière. Ok, overdrive. Moi, il y a un petit cœur, j'en ai pas besoin. Ah, il est long à venir celui-là. Hein. Ouais, j'ai pas de... Enfin si, j'ai mon dash là, mais à la rigueur, mon dash, je le mettrai sur shift. Hein. Ouais, merci. On reprend ceci, je sais pas ce que c'est. Là, on speed, hop. Oh, si tu pouvais me faire speeder par là, ça aurait été mieux. Et puis, on peut pas s'accrocher aux parois ou... Ouais, je suis coincé. Enfin, je suis coincé sous un vieil escalier pourri. Oh, dégagez avec vos sphères à la noix là. Je voulais petit cœur. Ouais, merci bien. Ça me sauve la vie. Alors je me focus sur le gros. Avec Casso, j'ai plus de vie. Ah, ça se trouve, je me suis coincé. Ah, mon dash, il est pas infini non plus. Mais ce qui est chiant, c'est que je voulais sauter au-dessus. Ouais, je tire. Vas-y, regarde, je tire dans le vide. Ouais, je remonte par là. Donc, j'arrive à. Oh putain, sauter là-haut.
Ok, on l'a eu, alors qu'il reste plus beaucoup de temps. Et tout est figé là. Ok, bon, on a eu du cul. Par contre, j'ai fait un score pitoyable. Et je suppose que... Enfin, ouais, bah ouais, je crois avoir fait plus tout à l'heure. Allez, continuer. Ça me ramène au point de départ, c'est un peu chiant. Bah écoutez, on va faire la dernière arène, puis on aura tout vu, quoi. Mais au final, la rejouabilité, à moins d'améliorer à chaque fois son score dans chaque truc, mais... On va tester hard, comme ça on aura fait le tour. Ouais. Ok, nous voici nous voilà en mode hard boss. Et on est jeté direct dedans. Ok. Prendre ça pour visualiser les cœurs. Il y en a un là. Je sais pas où je suis tombé, mais a priori je me suis fait mal. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Ok, restart. Ah, et puis c'est le fait de rappuyer sur tap pour restart, c'est un peu chelou aussi leur truc. Donc a priori, il y a des endroits où faut que je fasse gaffe et où je peux pas aller, quoi. Ok. Putain, ça m'a projeté en avant les jeunes, mais... Putain, c'est tendu, hein. Ah, je vais foncer dessus. Ah, vas-y, fonce par là. Ah, putain, je voulais monter sur la structure au-dessus, moi. Ah, ils sont beaucoup, là. Ah, ils lancent des tronçonneuses. Ah, ouais. On pique par là. On va prendre tout ça. Là, il y a un petit point de vie, on va le prendre. Les boules bleues, je sais toujours pas à quoi ça sert. Là, ah ouais, stoppé. Remonte sur le bord. Ah, ils sont tous regroupés au même endroit, quoi. Comme ça, hein. Ah, on va lui rush dessus, on va tirer dans le vide, demi-tour, hop. Ah ouais, ah, il y a un petit cœur, je sais pas si ça me l'a filé. Ah bah c'est chaud. Oh, c'est chaud, ma zette. On va passer par ici. Je fasse demi-tour. Oh, c'est chaud les jeunes. Hein. On va piquer par là. Oh, on est tout le temps limite obligé d'y aller en sens inverse les jeunes, parce que sinon je vois pas du tout où je vais, donc C'est ça que j'ai perdu qu'un petit point de vie, hein. Ok, là il y a du bien qui vient de pop. Je crois que les cœurs ils réapparaissent. On fait peut-être ça pour tous les faire péter. Ok, overdrive. Je fais pas un peu de ça. Oh, ça m'a même pas pris des sphères. Parce que j'en ai pas besoin. Péter ça. Ah, et là, je me suis cogné la tête en sautant. C'était bien pratique, les jeunes. Ouais, trop. Je vois même pas où ils sont, les trucs que je dois taper. Là. Ah, si, ils sont tous là.
Je sais même pas pourquoi je viens de percuter. Et pourquoi ça m'a fait sauter je sais pas où là. Bon ça j'ai pas l'air de pouvoir le taper. Arrête dash. Ah punaise. Ouais, prends-moi la vie. Oh, les espèces de rouleaux là, ils sont bien chiants. Ouais, on se focus. Rien qui mette la grosse mitraillette là. Ah, et là, il y a le gros vaisseau overdrive. Allez. Ah, merde. Ah, compliqué, là. Hein. Aïe. Là. Ouais, je cause pas beaucoup les jeunes. Hein. On se concentre, on se concentre. Oh, c'est quoi genre. Non, j'ai c'est bon, j'ai encore deux petits cœurs. Il y aurait un juste au-dessus. Ouais, merci. C'est la fin. Ah, il me reste 3 secondes. Vous déconnez ou quoi? Genre j'ai pas réussi à me faire le boss. Ok bon déjà on est resté en vie, on a réussi. Je veux pas restart. Ah bah écoutez ouais c'est un peu léger quoi. Je trouve 3 petits modes. C'est dommage que chaque map y ait pas un mode bah voilà que je prends cette arène là, que je l'ai pas en mode facile, normal et difficile. Et que ce soit une map par niveau. C'est un peu compliqué. Après, je peux customiser ma musique, mais bon. Select your stage. C'est quoi? J'ai sélectionné ma musique. Je sais pas ce que c'est la musique d'intro. Donc, après, là, je sélectionne la musique. On va partir sur Uncaged. Ouais, donc en gros, on peut refaire à chaque fois. Là, j'ai des têtes de mort. Ok. Alors, je sais pas si c'est en fonction de la musique. Skip up ou pas. Et ce à quoi on va avoir le droit. Ah ça c'est mort. Ouais donc en gros faut se refaire une run sur chaque musique. Voir ce que ça donne. J'aurais bien voulu mettre la musique qu'il y avait en intro, mais j'ai pas le nom, alors faudrait que je m'éclate à toutes les écouter et on se retrouvera pour se faire celle-ci en musique. Ok, vraiment bon, pas cool. Ah ouais, attendez, ces gros trucs qui me tirent dessus là. Je suis en train de m'éclater à tirer sur ça là-haut. Mais je sais pas si c'est directement sur le truc violet qu'il faut tirer. Ah merci.
Ok, on va essayer de tirer là-dessus. Je sais pas si ça va finir par se péter. J'ai pas l'impression qu'on puisse le détruire. Hein. Ouais, bon, je suis mort. Ouais, alors peut-être que là on est en mode hard parce que j'ai plus de cœur déjà. Ou peut-être pas, non, j'ai plus de cœur donc c'est moins. Compliqué peut-être. Ouais, merci bien. On va essayer de se faire au moins ce morceau en entier. Bon, après, c'est sympa, mais bon, c'est dommage. Ouais, qu'effectivement, sur chaque map, je puisse pas le faire en mode facile, difficile et compagnie. Et que, bah, vu qu'il y a trois personnages, qu'ils aient pas chacun une capacité particulière et spéciale, et qu'on puisse aussi les choisir sur la map, quoi. Donc il y a de l'idée, mais elle a été limitée, quoi. Ok, j'ai un ennemi qui me pop dessus. Je suis pas sûr que tout à l'heure, les boules là. Ça me tirait dessus tout à l'heure. Il a l'air un peu bugué celui-là. Ok. Ouais, je suis coincé. Ouais, je voulais retenter de péter ça, mais je suis pas sûr de pouvoir. Je vais reprendre ça, overdrive. Heureusement que j'ai pas fait l'explosion en pleine tronche parce que j'aurais pris Taro sinon. On fait du perfect. On va choper tout ça. On va les taper. Hop, merci. Ouais, ça a l'air d'être violé comme les méchants, mais je suis pas sûr qu'on puisse les taper, ou alors faut leur mettre plusieurs coups. Là, je suis poursuivi par un tas de trucs qui est vilain. Et je suis bloqué là. Un petit tir s'il vous plaît les jeunes. Ok. Allez jeunes, je suis parti. Hop, 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 hop. Un petit cœur, vite, vite, vite. Merci, on redash. On va vite se rechercher un petit cœur. La petite sphère, je sais pas si je l'ai pris. On va arrêter de se faire péter ça à la tronche. Vas-y, fonce. Ouais, overdrive. Pareil, l'overdrive, je sais pas si c'est un boost ou quoi. Après, là, il y a 9 trucs en haut. Je sais pas si, genre, en gros, faut s'amuser à détruire tout ça. Moi, que ce soit les combos que j'arrive à faire, là, je suis à. Je serai à 20, là. Là, je suis redescendu.
Ouais, mets-moi un coup de pied dans tout ça là. Ok, on va repasser par ici. Là il y a une vie, hop hop hop, là il y a du vilain. Ça a l'air de durer plus longtemps que la première. Coup de pied au boss, oui, effectivement. Il n'y a pas de problème. Ça, ça pouvait péter. Ah, ok, on va partir, les jeunes. Vas-y, fonce, prends-moi un petit cœur. Et des fois, je fonce vers les boules vertes. Mais en fait, les boules vertes, faut pas que je les prenne. C'est ces trucs-là qui me tirent dessus. Ah, donc, c'est un peu trompeur. Aïe. Et là, c'est fini. Je l'ai pas eu. Ah, par contre, on a fait un bon petit score. Bah, écoutez, voilà. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Ah, ce que je pense, c'est quelques trucs qui sont un peu fort dommage. En tout cas, plutôt sympathique. La musique, ça va peut-être être de la fusion. Ah, je vais me faire une petite run en mode fusion et puis bah nous on se retrouvera prochainement pour un nouveau test et découverte. En tout cas merci encore une fois à Rofury ainsi qu'à l'équipe de développement JoJob Game de m'avoir gentiment offert une petite clé pour vous présenter ce petit jeu qui est à retrouver sur Steam. Et d'ailleurs je sais plus si je vous ai donné la date de sortie, mais il est sorti le 19 avril 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Sur ce moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde et survivez bien. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.